Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, nouvelle capsule vidéo en relation avec notre série documentaire intitulée « L'optimiste, c'est rendez-vous conversationnel » qui a pour but de vous expliquer que le premier épisode sera diffusé le 16 septembre prochain sur notre chaîne YouTube ou encore sur le blog qui motive à l'adresse suivante www.ludovicbeuzeron.com. Je répète www.ludovicbeuzeron.com. À la question de ce matin, c'est peut-on voir le pilote de ce premier épisode? Eh bien, je voudrais tout d'abord remercier trois personnes, c'est-à-dire José, Mathias et Séverine, qui m'ont inspiré dans la réalisation de cette 18e capsule à seulement 6 jours de la sortie du premier épisode de notre série. Donc merci personnellement à José, Mathias et à Séverine, à ces trois personnes qui m'ont gentiment réclamé de diffuser un document interne qui n'a pas vraiment la vocation d'ailleurs d'être diffusé ni d'être montré, mais qui m'a servi à réaliser ce court programme matinal. Merci à ces trois personnes, je trouve ça même amusant d'avoir eu l'idée de réclamer cela. Tout d'abord, vous devez savoir que ce pilote n'est pas dans sa forme définitive. En effet, c'est plutôt un essai pour appréhender l'ensemble de cette série. En général, un pilote correspond à peu près au premier épisode que l'on va diffuser. Alors là, c'est vraiment un essai. Et cet essai, il ne s'est pas avéré complet, il ne s'est pas avéré satisfaisant, puisque vous allez le découvrir tout à l'heure. En réalité, c'est deux essais que j'ai réalisé. Je souhaitais simplement vérifier la position de la caméra, bien sûr. Je voulais vérifier le cadrage du sujet. Je voulais également vérifier le son, l'image, la luminosité. Et puis, je voulais faire quelques réglages pour préparer les épisodes. Et puis, au final, bien plus tard, en revisionnant le modèle, eh bien, j'ai compris que que tout cela ne correspondait pas véritablement à mes attentes. Eh bien, j'ai dû choisir une autre option. C'est pour cela que vous verrez probablement deux courts extraits dans la suite de cette présentation. Vous savez, mon objectif est vraiment simple. Je cherchais à exploiter un format unique, reconnaissable visuellement et surtout facile à préparer. Un système presque automatique. Il suffisait simplement d'arriver, de se placer et d'appuyer sur un bouton. Voilà, pour me permettre d'enregistrer sans difficulté les 40 épisodes de cette série, de ce programme. Voilà, je vous propose donc de visionner en accéléré le contenu du premier épisode qui m'a permis de tester le format, puis d'exploiter la fabrication de cette série. Je vous souhaite un bon visionnage. On se retrouve juste après. Bonjour à tous, c'est Ludovic Beuzeron. Comment allez-vous en cette belle journée? J'espère que tout va bien pour vous et pour vos proches, et que vous êtes prêts à découvrir le contenu de ce premier épisode de notre série intitulé « L'optimiste, c'est ». Avant toute chose, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette chaîne, eh bien faites-le. Ça vous permettra de recevoir les notifications des nouvelles vidéos à venir et puis aussi de ne rien manquer de ce programme. Dernière chose, si vous aimez, eh bien je vous invite à liker, et puis si vous n'aimez pas, à disliker. Aujourd'hui, comme vous l'indique le titre de cet épisode, nous allons parler de cette nouvelle série documentaire. Je vais tout vous dire, je vais tout vous expliquer et vous allez tout savoir sur l'optimiste, c'est. Venez avec moi. Thank you.
Vous êtes toujours là? Eh bien, fantastique. Voilà, je pense que cette capsule vous montre un petit peu l'état d'esprit de cette série documentaire. En tout cas, je vous ai montré comment j'ai préparé le contenu. Un extrait vraiment très court, mais qui vous donne une idée, une vision de comment on va habiller tout cela. Je vous donne rendez-vous donc le 16 septembre prochain, dès 7h, heure de Paris, pour le premier épisode. J'espère que vous serez nombreux. Et tout cela, sur ma chaîne YouTube ou encore sur, je vous l'ai dit tout à l'heure, le blog qui motive, à savoir www.ludovicbeuzeron.com. Pour l'heure, je vous donne rendez-vous demain matin. Ciao, ciao.